Je suis Paul Copeau, professeur en hématologie à Sorbonne Université et à l'hôpital Saint-Antoine, et je dirige le centre de référence sur les micro thrombotiques. À l'heure actuelle, le traitement standard du purpurate thrombotique thrombocytopénique, auto-humain, le PTT, comporte une association triple d'échanges plasmatiques, d'immunosuppresseurs qui comprennent des corticoïdes et le plus souvent du rituximab, et puis un nouveau médicament, le caplacizumab, qui est un nanocor DG contre le domaine 1 du facteur vibrant. Et c'est donc un antiadhésif qui permet d'empêcher l'interaction entre les plaquettes et le facteur vibrant. Et donc ça permet de prévenir la néoformation de microthrombie dans les capillaires et les artérioles de la microcirculation, ce qui finalement est responsable du décès des malades. Alors, le caplacizumab a été évalué à travers deux essais thérapeutiques internationaux et qui ont été positifs, et ça a permis d'obtenir une AMM européenne en septembre 2018. Et ainsi, euh, on a pu euh, maintenant traiter les patients en première intention dès le diagnostic avec caplacizumab en association aux échanges plasmatiques et aux immunosuppresseurs. Les résultats sont extrêmement favorables puisque l'addition de caplacizumab au traitement standard a permis de réduire de manière considérable les évolutions défavorables à la phase aiguë de la maladie, comme euh, le décès d'abord, les situations de maladie réfractaires et euh, le phénomène d'exacerbation, c'est-à-dire des aggravations sous un traitement euh, bien conduit. Donc ces résultats sont tellement satisfaisants. <laughs> Ils ont en plus permis de diviser par deux globalement la charge de soins en termes de nombre d'échanges de volume de plasma et de durée d'hospitalisation qu'on est en train actuellement de se demander si on ne va pas pouvoir se passer des échanges plasmatiques. Ce serait un scénario assez formidable et qui nous fait rêver puisque les échanges plasmatiques sont associés à plusieurs complications liées essentiellement à celle de la voie d'abord, la voie centrale, qui, est, qui peut induire des complications thrombotiques, hémorragiques, infectieuses et peut y avoir les effets secondaires. Liés au plasma lui-même, des phénomènes d'allergie. Et donc, si on arrivait à se passer des d'échanges plasmatiques, ce serait euh, quelque chose de formidable pour les malades et pour l'histoire de la maladie. Et donc, les études sont euh, très satisfaisantes avec l'étude du KPCHUMAB. Et donc, actuellement, on commence à se poser la question de savoir si on peut ne plus réaliser d'échanges plasmatiques. Alors, aujourd'hui, on a eu quelques signaux positifs dans ce sens. L'histoire a commencé avec les témoins de Jéhovah qui ne peuvent pas recevoir de plasma. Et donc, ces malades mouraient systématiquement de leur maladie. Et euh, dans deux lettres dans le New England Journal of Medicine, eh bien, il a été montré que chez ces malades qui étaient en train de mourir, l'addition de caplacisumab au traitement immunosuppresseur a permis de les guérir. Donc, la deuxième étape, euh, ça a été en Autriche et en Allemagne, eh bien, des, <laughs> des auteurs. Ils ont euh, commencé un petit peu dans leur coin et en dehors de ces cliniques à traiter les malades sans échange plasmatique avec caplacizumab humab et immunosuppresseurs. Et ils ont rapporté il y a deux ans un travail très, très intéressant euh, qui euh, montrait que tous les patients évoluaient de manière favorable sous caplacizumab euh, sans échange plasmatique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, il y avait euh, des patients particulièrement graves, des patients âgés, des patients avec atteinte cardiaque et cérébrale. Et malgré tout, avec humab et immunosuppression, ils s'en sont sortis. À l'heure actuelle, il y a en France deux essais thérapeutiques qui euh, cherchent à répondre à cette question. Le premier, c'est un essai euh, industriel euh, qui s'appelle Mayari, et donc il a pour objectif de traiter les patients par caplacizumab et immunosuppression. Il y a un PHRC national, donc français, mené par le centre de référence qui s'appelle Pexfree et qui a pour objectif de traiter les patients par euh, perfusion de plasma quand même, euh, capillocysumab et immunosuppression. Bon, nous avons fait le choix de maintenir une administration d'Adamstras via les perfusions de plasma compte tenu de la, <laughs> de la relative incertitude encore quant au fait de se débrasser totalement euh, du plasma dans cette maladie. Donc avec ces deux essais, on devrait pouvoir répondre à la question de savoir si on peut se passer définitivement des plasmatiques dans cette, dans cette maladie.